Corentin Moutet et pour Adrien Manarino. Et puis ça passe pour Joe Wilfried Tsonga. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. C'est un événement unique en Europe hein, qui aura lieu à Gouzon ce week-end avec une épreuve, une course en fait de drones. On va vous en parler ce matin avec l'instigateur de ce rendez-vous, Mathieu Guibert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de l'association AeroCESO, qui est la structure administrative qui porte un petit peu cette organisation-là. Vous êtes ancien lycéen au LEM, hein, habitant du secteur, étudiant à Clermont également, passionné de drones. Alors, expliquez-nous ce que c'est exactement cette course de drones en intérieur. Moi, c'est ça qu'on va en parler, mais qui m'a un petit peu interpellé. Eh ben, une course de drone, oui, en intérieur. Tout simplement parce qu'on arrive au mois de novembre et on peut pas se fier à la météo creusoise et auvergnate. Oui, et on a eu raison vu que ce week-end, ils annoncent beaucoup de pluie. Donc j'ai eu la chance, c'est que le maire de Gouzon, Cyril Victor, m'a directement accepté lorsque j'ai proposé l'événement. Et du coup, toute la course va se dérouler en intérieur. Donc on a dû réduire la taille des drones. Pour ça qu'on est sur un petit format, mais qui va quand même à 150 km/h en intérieur. Alors j'invite à tous ceux qui peuvent là nous suivre via la page Facebook, notamment vous avez le matériel, Mathieu nous le montre notamment. Concrètement, 48 pilotes seront là, 48 pilotes venus de toute la France. Oui, de toute la France, où on part de la Bretagne pour aller ensuite jusqu'à Nice, et après beaucoup de régions parisiennes, et aussi certains qui viennent du sud-ouest, aux alentours de Toulouse, qui font l'honneur de venir sur notre course. Alors, on vous avait reçu il y a quelques temps déjà, puisque vous vous impliquez sur ces organisations-là. Qu'est-ce qui vous a motivé, là, cette fois, à proposer encore quelque chose de nouveau? Alors, comment c'est arrivé? Tout simplement, début septembre, j'étais en Chine pour aller voir différents sponsors. Et sur une conversation, j'étais en train de parler que c'était triste qu'en Europe, on n'ait pas d'événements comme aux États-Unis. Et l'un de mes sponsors m'a dit, moi, je suis prêt à tenter le pari, je t'envoie 48 drones, tu me trouves 48 pilotes et on organise une course en France unique sur le territoire. Aussi simple que ça. Donc les drones sont fournis par le sponsor. C'est ça. Donc ce qui a pris le nom de cette épreuve qui s'appelle la Diaton Cup, me semble-t-il, c'est ça? Oui, parce que le sponsor, c'est Diaton Innovation, qui est spécialisé dans les petits châssis carbone, contrôleurs de vol et variateurs. D'accord. Il faut savoir que vous êtes vraiment un passionné de drones. C'est venu de quoi? C'est venu quand finalement tout ça? Et c'est venu pour mon anniversaire, pour mes 19 ans. Où ma mère m'a acheté au début un drone boulanger. D'accord. Qui n'était pas à mon goût, vu qu'un ami m'a fait goûter un drone de course. D'accord. Et ça a dérivé en projet étudiant. Et à la suite de ce projet étudiant, j'ai voulu organiser mes propres courses. D'accord. Donc c'est parti d'un cadeau simplement. Et là, aujourd'hui, de fil en aiguille, ça devient quelque chose où on en parlait, hein, 48 pilotes. Donc c'est dans le gymnase de la commune de Gouzon ce week-end. Ça va s'arrêter où? Finalement, ça va poser la question. Pour le moment, ça ne s'arrête pas, vu que au mois de juin, après ma course, j'ai été invité tout au long de l'année à travailler avec la CCI sur un projet de salon qui a eu lieu à l'EPO. Et là, c'est renouvelé cette année et j'ai eu plusieurs invitations aussi pour partir sur le territoire français et à l'étranger pour organiser des courses de drones. Donc pour le moment, ça suit son cours. Alors justement, les courses de drones, vous parliez un petit peu de l'étranger où ça cartonne. Hein. En France, ça peine encore, c'est pas vraiment connu? En France, c'est pas que ce n'est pas connu, c'est les pilotes veulent plus voler qu'organiser. Alors qu'il y a certains pays où dans les mœurs, dès qu'il y a une nouvelle technologie, toutes les personnes sont tout de suite plus enthousiastes à organiser et se mettre en collectivité pour faire des événements comme aux États-Unis, en Corée, en Chine ou encore en Pologne. Donc ça veut dire que les pilotes sont là finalement, mais ils manquent de main pour construire les événements. C'est ça. Moi j'ai la chance, c'est que j'ai toujours ma famille pour m'aider. Donc je prépare la course tout seul, mais j'ai ma famille sur place. Alors que sur des groupes, la plupart, sachant qu'ils volent qu'à deux ou trois, ils n'arrivent pas encore à se dire on va recruter du monde pour pouvoir faire plus de courses. Alors, course de drone, je vois bien un petit peu le style, mais comment ça marche concrètement? Alors, comment ça marche? Faut imaginer un mélange entre de la voltige et de la Formule 1. C'est-à-dire qu'on a un circuit avec des gates, des sortes de ponts, des flags, donc des drapeaux classiques ou encore d'autres obstacles divers. Et au début, donc sur une première journée ou une première phase de la journée, on va faire la partie qualification qui correspond. Donc après, ça dépend des organisations. Là, ce week-end, ça sera la moyenne des deux meilleurs tours. D'accord, donc deux tours de circuit, on garde le meilleur. Non, c'est vraiment la moyenne de deux tours. Ah d'accord, ok. Sur toute la journée. D'accord. Et ensuite, le dimanche, on passe en tournoi avec repêchage, ce qu'on peut retrouver dans le tennis, dans le judo, enfin classique. Et au final, on aura un vainqueur.
Ça veut dire qu'il y a plusieurs drones qui volent en même temps ou c'est à chaque fois individualisé en fait? On vole 4 par 4. Okay. Après, c'est un souci de fréquence, on peut faire à plus, mais on commence à avoir des interférences et c'est pas évident pour voler. Donc pour un souci de confort, de vol, on vole 4 par 4. Alors si vous voulez aller découvrir tout ça, c'est ce week-end, donc du côté, c'est samedi dimanche, hein, du côté du gymnase de Gouzon. Ça doit être spectaculaire quand même, là, quand il y a 4 drones ensemble, en plus dans un espace fermé. Bah oui, et puis surtout qu'il y aura la retransmission sur écran, et pour certains pilotes, ils ont gentiment accepté de prêter leurs lunettes pour le public, pour qu'ils puissent voir la course vraiment de l'intérieur, comme si c'était aux commandes. D'accord, donc voilà, tout ça, ça sera sur place. En termes de logistique, ça doit être énorme aussi. Puis il y a un aspect sécurité aussi, peut-être, sur un espace fermé. Un aspect sécurité, mais là, l'enjeu, c'est la plus grosse difficulté, ça a été tout ça en un mois. Préparer tout ça en un mois, alors qu'une course normale, je mets à peu près entre 4 à 5 mois pour la faire. Ok, donc bon, tout est calé là. Oui. C'est parfait. Comment les pilotes, vous les connaissez finalement? C'est au fur et à mesure, le bouche à oreille? Est-ce qu'on a certains qui sont les meilleurs Français peut-être qui vont venir? Je sais pas. On a vraiment de tout niveau. Donc on a eu pas mal d'inscriptions et après on a dû faire un tri. Donc on a pris ceux qu'on connaissait, ceux avec qui on a un bon feeling, ceux qui sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Et on a essayé d'éliminer, enfin pas d'éliminer, mais de faire un tri entre les personnes qui des fois pouvaient ne pas s'entendre entre elles, certaines qui pouvaient rager quand elles perdent, ou voilà, c'était vraiment une grosse logistique pour sélectionner la meilleure combinaison possible de pilotes. Donc on a vraiment de tout niveau et de tout âge. Il y a vraiment des winners qui sont un peu pénibles, entre guillemets, qui supportent pas la défaite, comme dans tous les sports, ça existe. Oui, c'est toujours rageant de voir le drone crasher pour une raison quelconque, et c'est vrai que moi, étant joueur de jeux vidéo, ça m'arrive souvent de jeter ma manette. Mais classique. Voilà. Parlez-nous de... Alors, pour ceux qui nous suivent via Facebook, notamment en vidéo, vous pouvez voir ça. Donc, les machines qui vont être mises à la disposition, en fait, des pilotes. Parce que tout le monde aura la même machine. Oui. Au moins, c'est pied d'égalité. C'est pas comme en Formule 1 où il y a des moteurs plus précis et plus importants que d'autres. Là, tout le monde a la même machine. C'est ça. Ben, c'est vraiment l'atout de cette course. C'est que le sponsor a fait 48 machines identiques pour que les pilotes puissent voler. Donc c'est un format, donc on est à 10 cm de moteur à moteur, avec des moteurs en 8500 kV, donc ça correspond à 90 000 tours minute, avec tout un châssis carbone, donc on est très léger, vous pouvez essayer de soulever après. Je vais regarder ça après, ouais. Mais avec une caméra, donc on est en 720p, et le tout retransmis dans les lunettes, qui sont des lunettes de réalité virtuelle avec un récepteur vidéo juste là, pour pouvoir piloter en temps réel avec la radio. Okay. Donc on sera à plus d'une centaine de kilomètres heure dans un gymnase avec ce type d'engin. Ok, alors en termes de sécurité, j'imagine il y a des espaces évidemment où le public peut venir, d'autres non, s'il y a un crash ou quelque chose comme ça, ça c'est serait ça, déjà il y a des filets de sécurité jusqu'au plafond pour avoir une sécurité en hauteur, et après sur un espace on a aussi prévu le fait que le drone puisse avoir un impact dans le filet, donc avec un certain rebond pour que les personnes puissent regarder en toute sécurité. Tout ça est calibré, et oui, en termes de logistique, ça doit être important aussi, trouver les filets pour mettre dans un gymnase jusqu'en haut, ça doit être, voilà, c'est pas facile non plus à installer, à mettre en place. Un échafaudage dans un gymnase, donc j'ai la chance, c'est que j'ai un père qui est très manuel, et du coup il a réussi à retrouver un échafaudage pour pouvoir monter jusqu'au plafond. Ça donne envie en tout cas de venir voir ce à quoi ça ressemble, hein. Ça doit être franchement spectaculaire. Sur les infos pratiques, donc sur le gymnase de Gouzon, comment ça se passe, à partir de quelle heure on peut venir, quand est-ce que c'est le meilleur moment peut-être? Alors on peut venir de 10h à 18h le samedi, et de 10h à 16h le dimanche. Parce que la finale sera aux alentours de 16h, donc c'est pour ça. Et l'entrée est gratuite. Donc gratuit, donc pour venir découvrir tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets déjà dans votre tête? J'imagine que oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que oui. Oui, il y a d'autres projets. Ben, répéter la grosse édition qui a lieu à chaque fois en juin. Donc là, qui sera le week-end de la Pentecôte, avec le lundi de Pentecôte. Donc le 30-31 mai, je crois. Ensuite, on refait le salon à l'EPO. Donc un gros salon nouvelle technologie où là, on intègre la robotique en plus cette année. Aura lieu à l'EPO, et aussi d'autres projets qui sont en collaboration, mais je peux pas trop en parler pour le moment vu qu'il n'y a rien de signé, mais et quelques voyages à l'étranger aussi pour des courses de drones. D'accord, c'est vraiment une occasion là, cette manifestation de ce week-end, de faire découvrir finalement, on connaît l'utilité du drone utilisé par les photographes, par les pompiers également aujourd'hui de plus en plus sur les zones d'incendie. Vraiment l'objectif, c'est de faire découvrir finalement cette discipline à part entière de la course. Et bien c'est ça, et aussi entre parenthèses, dédiaboliser le mot drone, parce que c'est vrai que vous venez de le dire, quand on dit drone on pense directement à la photo et à la vidéo, alors que là ce n'est pas du tout le cas. Là c'est vraiment dans un principe sportif et de jeu
en pleine nature, si on peut vraiment qualifier. Quand on était trop jeune, mes parents me fâchaient parce que je passais trop de temps devant la télé sur la console. Ben maintenant, je passe trop de temps devant un écran dehors. Voilà, c'est ça. En tout cas, vous l'avez compris, c'est concentré technologie, ce sont des nouvelles disciplines. Vous disiez, je crois que dans le petit communiqué que vous nous aviez envoyé aux États-Unis, il y a les show télé, en fait, c'est des émissions télé avec les courses de drones. C'est ça, donc c'est la Drone Racing League qui a carrément sa propre émission de télé. Et bon, après, c'est d'autres budgets. C'est l'entraîneur d'une équipe de football américain qui ne savait pas quoi faire de son stade quand il n'y avait pas de match. Et du coup, il a voulu lancer ce projet et ça a fait un carton aux US. Et ça se déroule carrément dans les stades, et les stades américains qui sont pas des petits stades en plus. Voilà, donc en plus ils ont mis des LED partout, donc c'est un budget phénoménal. Et le but c'est d'essayer de s'en rapprocher, même si on est toujours très très loin. On n'a pas les moyens financiers de faire ça en France, mais on essaie de s'en rapprocher. Voilà, des États-Unis à la Creuse, il n'y a qu'un pas finalement, et vous pourrez aller découvrir ça ce week-end. Donc avec cette compétition de drones en intérieur, gymnase de Gouzon, samedi et dimanche, et je pense qu'il était intéressant de faire un petit focus sur cette discipline. On vous souhaite bon courage pour l'organisation. Et ben merci. Ce week-end, n'hésitez pas, on rappelle que c'est gratuit, hein, donc vous allez pouvoir découvrir ces petites machines. Merci d'être venu avec les petites machines. Et puis, nous on va continuer le direct, il est bientôt 7h56. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. L'auto-géant de la S Domera Football, mercredi 6 novembre au Parc des Expositions de Montluçon. Une soirée festive hallucinante. L'événement à ne pas manquer. Gagner une semaine aux Caraïbes.